Le long de ce trottoir, je pourrais stationner. Oui. A. Non. B. M'arrêter. Oui. C. Non. D. Sur un pont, le stationnement et l'arrêt sont interdits, car considérés comme gênants. Le long de ce trottoir, je ne devrais donc ni stationner, ni même m'arrêter. Question 2. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant d'effectuer un dépassement, vous devez vous assurer de pouvoir le faire sans danger. Dans cette situation, personne ne s'apprête à vous dépasser. Vous disposez de deux voies et d'une bonne visibilité vers l'avant. Vous pouvez donc effectuer le dépassement du véhicule et revenir sur la voie de droite dès que ce véhicule réapparaît dans le rétroviseur intérieur. Réponse A. Je suis bien placé pour tourner à gauche? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour continuer tout droit? Oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai déjà choisi ma direction et placé mon véhicule en conséquence. Je dois donc suivre les indications données par le marquage au sol. Même en cas d'erreur de direction, je dois continuer. Il sera toujours possible de revenir sur cette intersection. J'éviterai ainsi une manœuvre dangereuse. Bonne réponse, B et C. Question 4. Pendant la période probatoire, la perte de 4 points entraîne une invalidation du permis de conduire. Oui? Réponse A. Non? Réponse B. Le permis perd sa validité lorsque le conducteur perd en une ou plusieurs fois son capital de points. Réponse B. Je tombe en panne. J'allume les feux de détresse. Oui. A. Non. B. L'éclairage intérieur de la voiture. Oui. C. Non. D. Mon véhicule tombe en panne à un endroit dangereux, car ici, je n'ai pas la possibilité de dégager la chaussée. J'actionne donc immédiatement les feux de détresse et les laisserai allumer afin que les usagers qui circulent soient avertis de l'incident. Ils continueront de fonctionner même si je coupe le moteur, quitte mon véhicule et le ferme à clé. Je peux aussi éclairer l'intérieur de la voiture, ce qui la rendra plus visible. Je n'oublie pas de mettre le triangle de présignalisation. Question numéro 6. Je cède le passage à droite. Réponse A. Ou je passe. Réponse B. En l'absence de toute signalisation, le conducteur doit appliquer la règle de la priorité à droite. Je ralentis pour céder le passage à ce véhicule venant de droite. Auparavant, je vérifie dans le rétroviseur intérieur qu'aucun usager ne me suit de près. Bonne réponse. A.
Ce véhicule représente une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce véhicule qui est stationné ici, sur le bord de la route, donc est-ce qu'il représente une zone d'incertitude? Donc, une zone d'incertitude, c'est un endroit où on n'est pas sûr forcément de quelque chose. Il peut se passer. Alors, ce véhicule, on voit bien qu'il a mis son clignotant. Donc, gauche. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut tout d'un coup vouloir s'engager. Surtout que ce véhicule, on peut voir qu'il n'a pas rabattu, mais son rétroviseur comme il faut. Donc s'il tourne pas la tête dans son angle mort pour regarder derrière, il peut ne pas nous apercevoir. Donc oui, on n'est pas sûr et certain de ce que va faire ce véhicule. Donc ça représente une zone d'incertitude et du coup forcément qu'on n'est pas sûr du comportement de ce véhicule comme on vient de le voir. Il peut tout d'un coup s'engager, donc bien sûr, je vais ralentir. Donc, bonne réponse A et C. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je vais dépasser ce cycliste? Donc, il y a plusieurs choses avant d'effectuer un dépassement qu'il faut vérifier déjà. Est-ce que j'ai le droit de dépasser? Donc, là, il n'y a aucun souci de marquage, de signalisation, de panneau qui m'interdit de dépasser. Ensuite, il faut vérifier si forcément il y a quelqu'un qui arrive en face et si le dépassement forcément est possible par rapport à la circulation qui arrive en sens inverse. Donc là, on peut apercevoir un véhicule blanc qui arrive en face de nous. Alors même si par rapport à ce cycliste, le dépassement sera assez rapide, le problème quand même, le temps que je dépasse ce véhicule, forcément va se rapprocher, et là, même s'il est relativement loin, je n'ai pas assez de temps pour dépasser et me rabattre sans gêner ce véhicule. Si là je me lance dans le dépassement, là on voit très bien que ce véhicule sera obligé de ralentir à cause de nous. Donc on ne dépasse pas à cause des véhicules qui arrivent en face. Donc bonne réponse B. Ces balises indiquent un virage dangereux. Oui. A. Non. B. Un rétrécissement temporaire de la chaussée. Oui. C. Non. D. La première balise est un délinéateur permettant de guider les usagers, notamment la nuit. Les deux balises à chevrons bleu et blanc jalonnent un virage dangereux. Elles peuvent parfois signaler un rétrécissement permanent de la chaussée, mais pas un rétrécissement temporaire, car la balise serait alors rouge et blanche. Je cède le passage au camion. Oui. A. Non. B. Il arrive parfois que le signal « stop » ou « céder le passage » ne soit pas complété par un marquage au sol. C'est notamment le cas lorsque le revêtement a été récemment refait. Ici, je passe avant le camion blanc qui rencontre un « céder le passage ».
Pour les consommations, mais il multiplie le risque d'accident mortel par 2. Réponse A, 5. Réponse B, 14. Réponse C. Alors, la polyconsommation, donc qu'est-ce que c'est? Donc, plusieurs substances, forcément, qu'on va absorber et qui sont néfastes pour la conduite. Donc, par exemple, l'alcool et les stupéfiants. Donc, forcément, tout ça, si on prend ça en même temps, ça fait un cocktail explosif et bien sûr, on n'additionne pas. Mais on multiplie les risques d'accidents mortels et donc ça peut aller jusqu'à 14 fois. Donc, multiplier par 14 le risque d'accident mortel, ce qui est énorme. Donc, bon, réponse C. La signalisation annonce une succession de virages dangereux, dont le premier est à droite, réponse A, à gauche, réponse B. Le danger annoncé est situé à environ 50 mètres, réponse C, 150 mètres, réponse D. Cette signalisation annonce une succession de virages, dont le premier est à gauche, comme l'indique le dessin figurant sur le panneau. Pour ce type de danger, il existe deux signaux, selon que le premier virage est à gauche ou à droite. De plus, comme je circule hors agglomération, la distance qui me sépare du début de la zone dangereuse est de 150 mètres environ. Réponse B et D. Question 13. La signalisation interdit l'accès aux voiturettes, réponse A, aux motocyclettes, réponse B, aux camionnettes, réponse C, aux cyclomoteurs, réponse D. La signalisation indique l'entrée d'une autoroute. L'accès à l'autoroute est interdit à certains usagers et véhicules particulièrement lents, piétons, tracteurs, cyclomoteurs, voiturettes, etc. Parmi les véhicules qui vous sont proposés, seules les motocyclettes et les camionnettes sont autorisées à pénétrer sur cette chaussée. Réponse A et D. Question 14. Je dois rouler en feu de position seul. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. Circulant hors agglomération, vous ne pouvez pas utiliser les feux de position. Quant aux feux de route, ils doivent être utilisés dans les zones non pourvues d'éclairage public, à condition de ne pas éblouir les autres usagers. Dans cette situation, vous devez donc utiliser vos feux de croisement. Réponse B. Question numéro 15. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voiture devant a indiqué son intention de tourner à gauche à l'aide de son clignotant. La voiture est placée à gauche de la voie. Il est autorisé de dépasser un véhicule par la droite uniquement s'il a indiqué son intention de tourner à gauche. La largeur de la voie est suffisante pour me permettre de dépasser ce véhicule par la droite. Bonne réponse, A.
Question 16. Je ralentis. Réponse A. Je me prépare à céder le passage à droite. Réponse B. J'ai la priorité. Réponse C. Le virage est particulièrement dangereux. Réponse D. Vous abordez une intersection sans signalisation relative au régime de priorité. Les balises blanches cerclées de rouge ne servent qu'à positionner l'intersection. Vous devez donc ralentir efficacement, car vous n'avez aucune visibilité et vous devez vous préparer à céder le passage aux éventuels usagers venant de la droite. Après cette intersection, vous allez aborder un virage particulièrement dangereux, comme l'indiquent les balises bleues. Il vous faudra donc aborder ce virage à allure réduite. Réponse A, B et D. Question 17. Le danger annoncé se situe à 100 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. La limitation de vitesse prend effet à la hauteur du panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. En agglomération, les panneaux triangulaires sont placés à environ 50 mètres avant le danger. Le panonceau détendu situé sous le panneau indique que la présence des ralentisseurs s'étend sur 100 mètres. En revanche, la limitation de vitesse s'impose à partir du panneau. Réponse B et C. Question numéro 18. Sur cet emplacement, je stationne en feu de position, réponse A, en feu de stationnement, réponse B, tous feux éteints, réponse C. Je me trouve dans une agglomération éclairée la nuit. L'emplacement que j'ai choisi pour stationner se situe en dehors des voies normales de circulation. Je n'ai donc pas besoin de garder les feux de position ou mes feux de stationnement pour stationner la nuit. Bonne réponse, C. Question numéro 19. Suite à un excès de vitesse de 40 km/h, le permis de conduire du conducteur intercepté est retiré immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors d'un excès de vitesse de 40 km/h ou plus, les forces de l'ordre retirent immédiatement le permis de conduire du conducteur intercepté pour 72 heures maximum. Cette procédure de rétention est également applicable pour un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0,40 mg par litre d'air expiré. Il en est de même dans le cas d'un dépistage positif auprès d'un conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Cette infraction peut entraîner une suspension du permis de conduire. Bonne réponse. Question numéro 20. Je peux franchir la ligne centrale pour dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour changer de direction? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Sur cette chaussée à double sens de circulation, l'axe médian est matérialisé par une ligne mixte composée d'une ligne discontinue accolée à une ligne continue. Je peux franchir cette ligne centrale pour dépasser et pour changer de direction, puisque la ligne discontinue est située de mon côté. La ligne continue concerne les véhicules venant de face. Bonne réponse, A et C. Question 6. La distance de sécurité est suffisante si je reste derrière ce véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'entreprends un dépassement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une route à chaussée séparée. La vitesse est limitée à 110 km/h. 15 mètres seulement me séparent de cette voiture. C'est insuffisant pour me permettre de réagir en cas de ralentissement brusque. Dans tous les cas, je dois prévoir un intervalle de sécurité d'environ 60 mètres. Pour dépasser, j'aurais dû me déporter bien plus tôt. Réponse B et D. Question numéro 22. Pour aller tout droit, je cède le passage à la voiture blanche, oui, réponse A, non, réponse B, à la voiture rouge, oui, réponse C, non, réponse D. Lorsque le feu clignote, tous les feux de l'intersection sont clignotants. En l'absence de panneau de priorité, je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Le véhicule blanc tourne à gauche. Il doit me céder le passage. En revanche, je cède le passage à la voiture rouge. Bonne réponse, B et C. Question numéro 23. Je suis bien placé si je circule à 80 km/h? Oui, réponse A. Non, réponse B. À plus de 80 km/h? Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur autoroute, pour ne pas gêner les autres usagers, il est interdit de rouler à une allure anormalement réduite, sans raison valable, et quelle que soit la voie de circulation empruntée. Sur la voie de gauche, les usagers doivent circuler au moins à 80 km/h lorsque les conditions de circulation sont excellentes. En revanche, je dois, en marche normale, circuler dans la voie de droite. Bonne réponse, B et D. Question numéro 24. Ce panneau annonce une bifurcation d'autoroute, oui, réponse A, non, réponse B, une sortie, oui, réponse C, non, réponse D. Ce panneau annonce à 2000 mètres une bifurcation autoroutière et une sortie rapprochée. Un premier embranchement signale une sortie d'autoroute par un encart blanc comportant un symbole d'échangeur et son numéro. Un second embranchement signale une bifurcation d'autoroute par les cartouches rouges, leur lettre A et leur numéro. Bonne réponse, A et C. Question 25. Ces panneaux me concernent? Si je tracte une caravane, oui, réponse A, non, réponse B. Si je tracte une remorque de 400 kg,
Oui, réponse C. Non, réponse D. Deux interdictions pour accéder à cette rue. Tout d'abord, ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules de transport de marchandises. Celui-ci interdit l'accès aux véhicules qui tractent une caravane ou une remorque de plus de 250 kg. En général, une caravane pèse plus de 250 kg et ma remorque pèse 400 kg. Dans les deux cas proposés, je ne m'engagerai pas dans cette rue. Réponse A et C. Question 26. La signalisation annonce un risque de pierre tombée sur la chaussée. Réponse A. Un débouché sur un quai ou une berge. Réponse B. Des chutes de neige fréquentes. Réponse C. Un risque de chute de pierre. Réponse D. Le panneau de danger implanté à droite vous prévient d'un risque de chute de pierre et par voie de conséquence, un risque de pierre tombée sur la chaussée. Vous devez rester très vigilant et réduire votre allure car la collision avec une pierre ou un évitement d'urgence pourrait avoir des conséquences graves sur votre véhicule et votre sécurité. Ce risque est encore plus important pour les utilisateurs de deux roues. Réponse A et D. Question numéro 27. La chaussée peut se rétrécir du côté gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de danger est à fond jaune. Il s'agit donc d'un panneau temporaire. Le symbole signale une chaussée rétrécie. La chaussée peut se rétrécir du côté gauche, du côté droit ou encore des deux côtés. Bonne réponse, A. Question 28. La signalisation annonce un risque de chute de branche. À 1000 mètres, réponse A. Sur 1000 mètres, réponse B. Un risque de présence de branches sur la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation vous annonce qu'à 150 mètres environ, il y a un risque de chute de branche. Le panonceau précise que ce risque s'étend sur 1000 mètres. Vous pourrez également rencontrer des branches sur les voies de circulation. C'est pourquoi vous devez ralentir afin de réduire les risques d'accident. Réponse B et C. Question 29. Suite à un accident, j'ai été obligée de quitter l'autoroute. Pour reprendre cette dernière en direction de Toulouse, je dois tourner à droite, réponse A, continuer tout droit, réponse B, tourner à gauche, réponse C. Lorsque l'autoroute est bloquée suite à un accident ou un bouchon par exemple, vous pouvez être invité à quitter l'autoroute et emprunter un itinéraire de substitution. Dans cette situation, vous avez deux possibilités pour rejoindre la ville de Toulouse, soit tout droit en continuant sur cette route, soit à gauche en continuant sur l'itinéraire S8 qui vous permettra de rejoindre l'autoroute. Réponse C.
Je peux suivre le véhicule qui dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne suis pas sur le point d'être dépassé. Le véhicule noir effectue un dépassement. Et comme nous circulons sur une chaussée à sens unique, que je peux reconnaître à la ligne de rive continue à gauche, je peux le suivre pour dépasser sans risque de rencontrer un autre usager roulant en sens inverse sur la voie de gauche. Bonne réponse. Question 34. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je garderai le clignotant pendant toute la durée du dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant d'entreprendre une manœuvre de dépassement, vous devez vous assurer que la voie que vous allez utiliser est libre. Devant vous, la voie de gauche est libre et les véhicules arrivant derrière vous sont suffisamment éloignés pour que vous puissiez vous déporter. Vous pouvez donc effectuer le dépassement. Avant d'entamer la manœuvre, vous devez mettre votre clignotant pour avertir les autres usagers de votre intention. Vous devez le maintenir à gauche pendant toute la phase de dépassement et le mettre à droite avant de vous rabattre. Réponse A et C. Question numéro 32. Je tourne à gauche. Je marque obligatoirement un temps d'arrêt. Réponse A. Je cède le passage à droite. Réponse B. Je cède le passage à gauche. Réponse C. Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, tel un chemin de terre, doit céder le passage à tout autre véhicule. Je circule sur un chemin non goudronné, comme l'indique la bande d'herbe centrale dans le rétroviseur intérieur. Au bout de ce chemin, avant de tourner à gauche, je dois m'assurer que je peux le faire sans danger, à une vitesse me permettant l'arrêt sur place si nécessaire. Je céderai ensuite le passage aux véhicules circulant sur la route abordée. Bonne réponse, B et C. Question numéro 33. Ce panneau annonce un danger permanent, réponse A. Un danger temporaire, réponse B. Un risque de projection de gravillon, réponse C. Ce panneau de danger annonce un risque de projection de gravillon. Il s'agit d'un signal temporaire, puisque le fond de ce panneau est jaune. Alors qu'un panneau de danger permanent est à fond blanc. Bonne réponse, B et C. Question numéro 34. Je peux circuler en feu de position seul, réponse A. En feu de croisement, réponse B. En feu de brouillard avant, réponse C. En feu de brouillard arrière, réponse D. Partant de brouillard, je dois utiliser les feux de croisement de façon à rendre visible mon véhicule aux autres usagers. Je peux, si mon véhicule en est muni, allumer en plus les feux avant et arrière de brouillard. Ces feux renforcent l'éclairage existant et rendent encore plus visible le véhicule. Bonne réponse, B, C et D.
L'AFU, aide au freinage d'urgence, permet de raccourcir les distances de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'AFU, aide au freinage d'urgence. Donc, à quoi elle sert? Donc, elle sert lorsqu'on freine en cas d'urgence. Ça prend bien son nom, donc ça permet de renforcer le frein. C'est-à-dire de freiner le plus fort possible. Donc, ça aide le conducteur à renforcer le plus fortement possible la pédale de frein. Parce que, en cas d'urgence, il faut freiner le plus fort possible pour s'arrêter le plus tôt possible. Donc, est-ce que ça permet de raccourcir les distances de freinage? Donc non, par rapport à quelqu'un, donc on va comparer deux véhicules. Un véhicule qui est équipé de l'AFU et un autre véhicule qui n'est pas équipé de l'AFU. Si les deux personnes freinent le plus fort possible, il n'y a pas une voiture qui va freiner, qui va raccourcir sa distance de freinage par rapport à l'autre. C'est juste un système qui va aider le conducteur à freiner très fort, mais si on est habitué en cas d'urgence à freiner très fort, entre guillemets, l'AFU ne va pas être d'une grande aide. Ce qu'il faut aussi savoir, si l'AFU s'enclenche, s'allume aussi, les feux de détresse pour prévenir ceux de derrière qu'on est en freinage d'urgence. Donc voilà. Mais je vous rappelle, sinon il n'y a rien qui raccourcit les distances de freinage. Donc ce qui est électronique ne peut pas aider le véhicule à mieux freiner. Donc bonne réponse B. Question 36. La signalisation interdit l'arrêt avant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau interdit l'arrêt et le stationnement. Le panonceau qui l'accompagne précise que cette interdiction prend fin à hauteur du panneau. La ligne jaune continue qui borde le trottoir confirme d'ailleurs cette interdiction. C'est après ce panneau que je pourrais envisager de m'arrêter en fonction de la signalisation en place. Réponse A et D. Question 37. La zone des travaux commence environ à 50 mètres, réponse A. 150 mètres, réponse B. Je peux rencontrer des ouvriers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule en agglomération. La zone dangereuse associée aux travaux est donc située à 50 mètres environ. Des hommes travaillent à cet endroit. Je dois donc ralentir. Je dois aussi faire attention à la présence de gravillons ou de boue sur la chaussée, même par beau temps et quel que soit le jour de la semaine. Réponse A et C. Question 38. La signalisation m'annonce un danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux de forme triangulaire annoncent un danger. À l'exception du panneau qui est un signal de position annonçant le double sens de circulation, les panneaux de danger sont placés 150 mètres environ avant le danger lorsqu'ils sont situés hors agglomération. Cette distance est ramenée à environ 50 mètres en agglomération. La signalisation est implantée pour la sécurité de tous.
C'est pourquoi, lorsqu'un danger est annoncé, vous devez ralentir. Ce panneau fait partie de la signalisation temporaire. Réponse A et C. Question numéro 39. À partir des panneaux, la voie de droite est réservée au bus, réponse A, au cycle, réponse B. Les taxis peuvent y circuler? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau signale une voie réservée aux véhicules de transport en commun. Celui-ci indique une piste ou bande obligatoire pour les cycles. La voie de droite est donc réservée aux bus et aux cycles. Ce panonceau précise que les taxis sont autorisés à y circuler. Bonne réponse, A, B et C. Question 40. La signalisation est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois tourner à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation verticale ou horizontale de couleur jaune est temporaire. En présence d'un tel marquage, vous devez ralentir car vous risquez de trouver du personnel sur le chantier. De plus, la modification du tracé de la route doit attirer votre attention. Aucune signalisation ne vous oblige à tourner à droite. Réponse A et D.